comment lui? J'espère qu'il est en toute forme. Son plaisir pour moi, ensemble avec nous. Pour venir parler de football. Parler de football haïtien, c'est toujours un plaisir. Je viens de parler de près de 6 à 7 à 8. C'est l'actualité sportive haïtienne. Même pour parler directement de cause qui fait que tu sélection U15 ans qui ne doit pas participer nos affaires. Championnat de la CONCACAF U15 qui a fait la États-Unis qui a sorti de 31 et 7 août qui a vu là. Je parle de cause qui est capable de faire que. Yo, pas participer dans le bagage. En pile problème. Pour parler nous tout de quelques joueurs qui sont jouer pour Haïti, pour parler nous 10 entraîneurs haïtiens côté que football passion, qui sont médias en ligne, qui fait un bel étalage, une belle préparation. Pas pour parler nous tout détail, même pour parler nous 10 entraîneurs haïtiens qui vraiment, qui ont une licence internationale, qui sont capables d'aider le football haïtien. Pour parler nous tout de. Et Passius, un jeune joueur qui a évolué en République du Canada, on va nous donner un paquet d'autres informations. Pile d'informations, mais je vais battre pour expliquer à nous dans 5 à 10 minutes. Je vais commencer à amis Haïti, République Dominicaine, Chili, Brésil, Argentine, Zamitou, Équateur, Guyane française, anglaise, Zamitou et Zamitou qui branche chez nous, qui va sur Bahamas, Barbade, qui tout côté que branche Martinique, États-Unis, Canada, quel que soit côté branche Chanel ça. Nous parlons uniquement football haïtien. N'a pas de sélection nationale U15 là qui va participer dans le championnat. Ça nous connaît qu'à organiser là aux États-Unis qui tout Haïti qui trouvé dans le groupe dans la Ligue A qui est accompagné de grandes équipes Canada, Mexique, Porto Rico, côté que Haïti lui-même qui était sur le championnat Challenge. Dans ces séries, dans catégorie ça, eh bien, on choisit faire dans troisième, mais on fait chercher, choisit faire, on l'autre tournoi qui est le tout championnat de la CONCACAF U15 qui a fait la côte après toute la nation, près de 31 nations qui ont participé. Malheureusement, que Fédération haïtienne qui trouvait dans l'embarras là pour que tu es capable de un visa pour quel que soit le monde qui te gagne, non, qui peut participer à la sélection. Cause la première cause là c'est que c'est pas parce que Timon j'aime te tout dire la partie mon qui cause ça, mais première cause là c'est que il y a un réseau mafia qui un réseau mafia un réseau bluffeur qui compte utiliser sélection non sélection compte qui utiliser passeport haïtien américaine sorti 2010 pour arriver 2022 à là, ça veut dire 2010 à 2022, ça va ou 12 ans, près de 12 ans que monsieur ça a utilisé et a utilisé passeport comme joueur football, comme dirigeant football, pour faire des cérémonies voyager, et bien là, c'est ça qui t'a fait que cause que yo pas ta capable de jouer un visa. Parce que yo pas capable de démanteler le réseau mafia ça. Et puis tout, gagné, yo t'a gagné là après deux semaines pour messieurs, yo t'es capable de faire ça, pour résoudre le problème ça, yo pas capable de résoudre le problème ça. C'est une raison qui fait que, si ou est que yo toujours un problème avec un visa, pour que yo capable vienne jouer un visa pour un joueur quel que soit joueur ou même yo ta gagné ou soit dirigeant. Et puis information toujours gagné tout on l'autre joueuse qui nous j'aime ta présenter nous qui c'est Sylvie Prepti lui-même qui était dans sélection U20 en 2018 qui était parti dans la Coupe du monde là côté lui-même la vu dans l'Université de Washington qui gagne 22 ans capable de représenter Haïti dans ce que dirigeant yo prend contact ensemble avec lui pour lui capable jouer pour Haïti bel milieu de terrain qui capable aider l'équipe là dans le milieu de terrain nous t'a souhaité que dans rassemblement dans rassemblement qu'a fait dans deux à trois rassemblements qu'a fait en fin année pour lui être capable là avec la sélection ça c'est là. Gagne toujours information, gagne quelques joueurs comme t'as dit qui a préparé sérieusement, gagne Kiki Joseph qui a préparé sérieusement après étude qui continue à préparer là qui a préparé les affaires et entraînement à club ou Ben Gazan pour comment que les capables il toujours gagne voulu là toujours gagne désir là pour les jouer pour Haïti toujours joueur haïtien gagne équipe de joueurs qui a joué dans national yo qui c'est Mondi Pounier avec Gamael Dorville, monsieur là, qui reprend l'entraînement, qui travaille sérieusement, gain Gamael qui travaille col physiquement, qui bien travaille, qui travaille col sérieusement. Moi, c'était que monsieur lui-même, lui capable et fait et représenter un pays à tout, toutes ces joueurs qui ont joué sérieusement. Gain tout, un joueur toujours, gagné Samuel Popemadoche, hier soir, qui a joué une équipe FC Monzon, qui bat une passe décisive, qui permet à l'équipe qui sont champions pendant la semaine, pendant le week-end avec équipe. Dans ISL 1 qui travaille sérieusement, qui sont belles joueurs qui sont capables de payer à tout.
toutes informations qui m'a bon. Il y a Ruben Spasius, les mêmes qui a joué dans l'équipe Forge FCA, son club qui dans le pays canadien, Mr. Canada, mais c'est qui a âgé de 20 et de 21 ans, mais c'est tout, qui pas caché dérouler le pour ta jouer dans plus jeune âge li, il a joué dans la même équipe avec Gavin, côté que monsieur dit qu'il est toujours gagné possibilité de toujours parler avec Gavin, l'attend en convocation entre équipe canadienne ou soit équipe haïtienne là, il pas caché, il pas écarté aucune possibilité pour jouer pour Haïti, mais depuis ta relève dans fait année à catégorie, on est capable bail pour qui équipe que parce qu'elle t'a parlé avec monsieur Sport Passion yo qui lui t'a dit que il est capable de jouer pour Haïti ou soit tout pour équipe canadienne nan, côté Ruben Spasius pendant semaine ça l'a marqué un triplé et actuellement il est deuxième meilleur buteur championnat canadien nan. On triplé côté le démarqué devant équipe Edmonton nan, il était battu 5 à 1, t'es fait 3 goals. Malheureusement, il jouait pas non, Bikou Bissett pas capable de faire 1-1 pour équipe Edmonton nan, c'était en question de 5 à 1. Et Ruben Spasius, lui-même qui était marqué, en question 2 en 1. 3 goals. Toujours information, ça, information qui n'a pas où. Et au niveau de international, toujours nous pas autant pile information pour aujourd'hui. Gagné, monsieur Sao, qui a fait un bel travail, même gens que nous-mêmes, nous avons une page Facebook qu'on est capable toujours de visiter, nous passer partager information sur qui toujours 1500 ans, qui nous sécimite 1000 spots, et nous partager information. 10 entraîneurs qui diplômés, qui gagnent un diplôme, qui gagnent un diplôme étranger, qui gagnent un diplôme international, très solide, qui est capable de payer d'après Monsieur Football Passion, qui a fait un travail sérieux. Qui gagne, qui c'est Alcel Fogg, les mêmes qui ont licence pour Comebol. Comebol, c'est dans la zone sud-américaine, non, mais c'est tout, qui, dans l'Amérique du Sud, qui par écarté, qui a à peine gagné 37 ans, qui a pas vraiment, et qui gagne un peu de réussite, non, et non, affaires, si là. Il y a l'autre entraîneur, là, qui c'est Angelo Jabatis, qui nous connaît, qui gagne, il a une licence UEFA A, qui a une licence tout, ISF et qui s'étouffe et fédération licence internationale fédération anglaise qui c'est International Fédération Anglaise de Football qui c'est US qui c'est UF et IFF qui IF et IA qui c'est Jean Doulin gagne tout Laurent Valère qui gagne licence UEFA dans affaires coaching dans atout capable d'entraîner go sélection yo et qui vraiment intéressant les mêmes tout cap qui débuté carrière en tant que manager en Europe et plusieurs en équipe juvénile des Montfermeil FC et c'est un bel entraîneur tout nous gagne tout Natou Kessoustom Junior qui nous connaît qui en Haïti cap qui gagne licence UEFA B et nous connaissons les mêmes qui s'est entraîné de Don Bosco, nous connaissons Paul Maurice lui-même tout qui a une licence l'IFA B2 qui a un master dans diplôme dans masterclass et dans diplôme récemment qu'il s'est remporté là. Il y a tout Shelby Prétat qui a une licence en B2, ancien joueur de sélection nationale football haïtien, Shelby Prétat lui-même qui a évolué en Allemagne. Il y a tout David Blaise qui a une licence pour goalkeeper, c'est lui-même tout qui sont d'autres coachs qui ont en pile qualité, il y a un colonel James Land, lui-même tout qui gagne licence en anglaise, tout licence pour anglaise. Il y a tout Stéphane Sanon qui gagne tout licence anglaise, tout. C'est un abbé propriétaire d'une académie en France et dans le pays République Dominicaine. Pays en tout. Il y a en tout Pierre Jean-Jacques qui est 10e nan. Pierre Jean-Jacques nous connaît qui gagne et BF là qui sont actuellement sélectionnés à la sélection nationale là qui gagne en licence qui peut finir un diplôme. Qui ont licence quand même qui peut avoir diplôme dans le dossier ça qui t'a souhaité bah, plus connaissance. Nous souhaitons qui t'a l'état qui t'a malbri connaissance li, de plus pour les capables de faire au bagage qui puisse sérieux tout. Nous sommes qui ont plus de talent tout. Nous souhaitons que monsieur lui-même les mettez plus bagage dans la tête les 10 entraîneurs ça. Qui vraiment sérieux qui capacité à football là tout à fait important la bon pour nous capables et gagner quelques grands entraîneurs qui capables jouer pour Haïti qui capable aider Haïti dans la sélection gagner Fondi Pierrot hier qui était joué 30 près de 30 minutes dans le match contre Maccabi Haïfa fait un match en but partout. Fondi Pierrot qui passait près de 2 à 3 reprises qui était égalisé, mais mettez même si raté première occasion en or qu'il jouait dans le match là, malheureusement, si chuté boule à côté. Et si c'était marché plus sous gardien, il était capable de battre défenseur, il fait goal là, c'est ça. Et ça pas vraiment important. Malheureusement, il faut match et match retour à fait mercredi. On t'a souhaité que Fondi Pierrot lui-même, qu'il a joué, commencé et vraiment.
si yo kapab fè victoire la. N'ap dwe te la, an pi l'informasyon n'ap dwe te la, n'ap pale ansama vò nan lot video.